des conditions qui se dégradent ce midi sur la Canore. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est plutôt variable à couvert que variable à dégager, contrairement à ce qui était prévu. Une température extérieure qui est relevée à 15-16 degrés, mais là, on ressenti, c'est proche de 17. La température de l'eau est à 14-15. La marée est actuellement en train de redescendre. Le plein bas est à 18h avec du bidicou ici sur 9,53. Et sur cette redescendante, le vent passe sud. Là, c'est le début de la vidéo. Et fin de vidéo, c'est sud-sud-ouest. C'est soutenu. Il y a 4 beaufort établis des rafales à la 5. Clapot qui se généralise sur le plan d'eau au bord. Clapot, quelques petits moutons qui apparaissent sur le large. Une houle qui est déstructurée. Longue avec 12 secondes de période, orientée ouest à sud-sud-ouest en légère baisse. Il y a eu un minimum sur la bouée Tartachan-Gascogne tout à l'heure à 3,80 et 10 secondes. Et là, en termes de taille de vague, à la Cano, il y a 2 mètres en déferlement régulier, 2,50 mètres sur les séries qui rentrent fréquemment, et 2,80 mètres à 3 mètres sur les grossettes. Bon, c'est haché, c'est moche, c'est pourri. On voit la Cano qui émerge des dunes. C'est carrément pas valable, Joe Brad. L'évolution pour le reste de la journée, ben, ça va regrossir. La bouée Tartachan-Gascogne est à la hausse à 4,30 m et 11 secondes. La bouée côtière de Brest est à la hausse à quasiment 6 m et 10 secondes. Pour ce qui est du vent, Talacanote, il va revenir au sud-sud-est et se calmer. Les prévisions à 17h, c'est 3 m, 3 m 50. Tout l'ouest à sud-sud-ouest, 13 secondes de période. Vent de sud-sud-est, 3 à 4 beaufort. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2023.